Bonjour, je suis Fadi Hayek, Medel Hayek de mon vrai nom. Je suis l'auteur du livre intitulé « Le jeu des lettres », édité vers la fin de 2021 par la maison d'édition française Les Trois Colombes. À présent, j'exerce la profession d'avocat au barreau de Rabat, la capitale du Maroc, et ce, après une longue carrière militaire en tant que magistrat, à l'issue de laquelle j'ai demandé ma libération. Il s'agit donc de mon premier essai. Il est inspiré de la vie quotidienne des êtres, appelés à vivre en commun et se trouvant de facto fragmentés et compartimentés en communautés, chacune avec ses particularités et ses sensibilités propres. Dans l'ouvrage que je vous présente, les personnages sont les 26 lettres de l'alphabet français qui vont jouer la métaphore d'une société purement abécédaire, où la syntaxe se joue de la sémantique. Les flexions des mots s'en veulent à leurs racines. La virgule se moque du point et les accents apostrophent l'apostrophe. Ce faisant, elles vont mettre en exergue le clivage communautaire vécu en France d'aujourd'hui. À vrai dire, ce clivage correspond à n'importe quelle société, depuis la plus civilisée jusqu'à la plus sclérosée. La nature humaine en est pour quelque chose en ce qui concerne les êtres. Les lettres de l'alphabet français, quant à elles, sont innocentes de ces affrontements, pleines d'orgueil et d'exhibitionnisme qui sautent à l'œil. L'exemple le plus patent de ce défi et de cet égoïsme est celui manifesté par la minorité des voyelles à l'encontre de la majorité des consonnes. En effet, en se qualifiant comme étant l'électron libre de l'alphabet, le E va se targuer le long de tout un paragraphe de son récit de l'égalité parfaite que les 5 voyelles arrivent à aligner avec les 21 consonnes. C'est pourquoi je me permets d'avancer que cet essai, en plus de sa teneur didactique et pédagogique, il regorge d'humour, de saillies, de tours de phrases et de locutions toutes faites. En fait, c'est la jouissance que je tire de la découverte d'un mot et de sa polysémie qui m'a poussé à piocher du côté des composantes de ces mots, que sont les lettres et leurs signes diacritiques. Ce faisant, j'ai découvert que ces lettres ont une personnalité, un caractère et un tempérament propre, leur permettant autant que les mots et les êtres, tantôt de s'éloigner, de se repousser et de se haïr, tantôt de se rapprocher, de s'attirer et de s'aimer pour le bien de la phraséologie. C'est pourquoi la beauté des mots et l'acuité de leur sens une fois placés est bien annoncée au sein des phrases et des énoncés. Et c'est pourquoi aussi le charme de certains écrits, la diversité de leur temps et de leur style ne se distinguant par ailleurs que par la ténuité du fil constitué par des lettres subtiles et tissées par des êtres habiles. Pour ma part, à cet égard, les idées sont là, mais les mots refusent de se mettre en ordre et dans le sens du sens que je souhaite tirer de leur essence. Et ce, jusqu'à nouvel ordre qui sera dicté, du moins je l'espère, par l'évacuation du présent des autres. Après quoi, il me sera possible d'envisager un projet littéraire. Je garde toujours confiance en la magie et les secrets des lettres qui prouvent chaque jour qu'elles sont capables de mieux forger les êtres. Merci.